Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Ville de Forza OMTE. Bienvenue pour cette nouvelle émission avec aujourd'hui un invité, Stéphane Bringuet. On va vous le présenter. D'abord, j'accueille mon acolyte, celui qui enchaîne les arguments sans accroc, un peu comme faisait Enzo Francescoli, qui enchaînait les gestes techniques de grande classe dans les petits périmètres. J'ai nommé Massilia Mars, dit Romain. Romain dit Merci Massilia Mars. Sébastien, bonjour Stéphane, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Bonjour Sébastien, tu me fais beaucoup d'honneur en citant Francescoli, mais j'essaie d'être juste et modéré dans mes propos, même si je suis souvent critique envers certaines personnes. En tout cas, merci Stéphane d'être parmi nous. Ben merci Romain, merci Sébastien de m'accueillir, c'est bien sympa, merci beaucoup. Ouais, donc voilà, donc du coup on accueille Stéphane Bringuet du Phocéen. Donc présente-toi en quelques minutes. Est-ce que tu es un peu le head of business du Phocéen? Alors, je l'ai été pendant de nombreuses années, parce qu'en fait, j'étais directeur des opérations du Phocéen. Alors, directeur des opérations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'étais en charge de la rédaction et de tout l'aspect commercial également du Phocéen pendant 7 longues années. Et donc, ça m'a permis évidemment de rencontrer l'environnement OM, de vivre quotidiennement au sein de la thématique OM, de rencontrer de multiples personnes, notamment… que ce soit au sein du club ou à l'extérieur, vraiment de vivre ma passion au quotidien. C'était une expérience exceptionnelle. Et ensuite, je suis parti à la Provence pour une petite période où je suis devenu directeur de la stratégie digitale. Et pour ensuite, cette année, donc ouvrir ma propre structure, donc tout à fait dans un monde tout à fait différent, mais pas tant que ça, puisque aujourd'hui je travaille sur les plateformes de streaming, en fait. Donc j'ouvre un média sur cette thématique-là et je travaille en collaboration. Je continue de travailler avec le Fossé en collaboration, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai également développé la chaîne Twitch du Fossé actuel et je présente les différentes émissions qui s'y produisent. Voilà, donc c'est un peu une petite présentation rapide, courte. J'ai 46 ans, j'ai baigné dans l'OM depuis tout petit. Évidemment, j'ai connu toutes les belles périodes et les moins belles périodes de notre club adoré. Donc oui, ben, on a tous passé des extraordinaires moments et on a tous passé des moments un peu plus difficiles, un peu comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, Alors, tout à fait. Stéphane, tu m'arrêtes si je me trompe. La société que tu as montée s'appelle Galaxis. Tout à fait, C'est c'est bien ça. bien ça. Et j'ai cru voir donc effectivement que c'était le média des médias du streaming. Exactement, oui, c'est spécialisé sur les streamers particulièrement, pas les jeux vidéo, c'est pas du tout ce qu'on veut mettre en avant, mais j'ai découvert Twitch il y a maintenant quelques années et se déroule, enfin, c'est un peu le média de nos enfants en fait, Twitch, pour bien comprendre, et j'étais très curieux de découvrir pourquoi ça avait une telle attractivité. Évidemment, ça a commencé par l'attractivité sur la thématique des jeux vidéo, mais aujourd'hui, c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a de multiples talents à peu près sur d'autres thématiques qui envahissent ces plateformes. On pense également à l'OM, à Paris, enfin des clubs de football qui aujourd'hui se saisissent de ce nouveau média. Et je suis de ceux qui pensent que c'est non seulement le média d'aujourd'hui pour les jeunes, mais le média de demain pour toute cette génération. Ok. Alors juste, on a une tradition un petit peu quand on invite des personnes, c'est un peu qui nous parlent de leur passion de l'OM. Alors sur cet internet, on a notamment invité du Phocéen, Romain Canutti et Romain. aussi Bastien Cordolani. Donc voilà, donc moi j'aime bien savoir un petit peu, tu as un peu répondu en partie, mais bon, j'aime bien que tu nous dises d'où vient ta passion. Est-ce que toi tu es de Marseille déjà et comment tu as Alors en fait, amené moi cette passion? je suis pas né à Marseille, je suis né dans une bien plus au nord, en région parisienne, pour être franc, mais j'ai suivi mon père qui a été muté. Donc, j'étais très jeune, je suis arrivé à 9 ans dans la région et je jouais au football, hein, comme tous les gamins, enfin, j'allais dire de l'époque, hein, je jouais au football, j'étais passionné de ça. J'ai jamais été supporter du Paris Saint-Germain, j'étais plus supporter en fait à l'époque du foot de manière générale. Et évidemment, en me rapprochant de Marseille, j'ai été conquis par le maillot bleu et blanc. Et je me souviens des premiers matchs auxquels j'ai assisté. C'était assez tardif quand même. C'était au stade Vélodrome, c'était sous l'ère Tapie à l'époque. C'était en 90, il me semble, mais je suivais déjà l'actualité, évidemment, pas de manière passionnée
depuis 85-86. Et donc, je crois que la première fois, je me souviendrai toujours, la première fois où je suis rentré au stade Vélodrome, évidemment, le stade était découvert à l'époque, il n'y avait pas de toit, et c'était encore l'ancien Vélodrome. Alors, il n'y avait plus la piste, hein, heureusement, il n'y a plus cyclable, ce n'est pas aussi vieux que ça. Mais par contre, je suis rentré, je suis monté ces escaliers, je suis arrivé dans le virage, et d'un coup, j'ai découvert cette arène et cette enceinte, et ça m'a, enfin, tout de suite, j'ai eu les frissons, et depuis, j'ai pas jamais pu me décoller de cette passion, jusqu'à vouloir en faire mon métier et réussir à en faire mon métier. Je mesure la chance que j'ai eu de pouvoir le faire, quoi. Ça a été magique. Ouais, puis effectivement, comme j'en ai parlé un petit peu off tout à l'heure, en plus on a à peu près le même âge, moi j'ai 47 ans, donc effectivement de commencer la passion de l'OM avec l'époque formidable de Tapie, le numéro, voilà, Pixie, mon idole absolue. Quand on l'a vu jouer, c'est compliqué de regarder les matchs d'aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Et ouais, enfin disons que bon, on regarde toujours, mais bon, on est toujours un petit peu nostalgique de cette époque-là, et on espère remonter dans l'ambition pour ce club, quoi. C'est ça. Juste pour envoyer mon premier tacle, au-delà de dire qu'il est compliqué de regarder les matchs d'aujourd'hui en ayant vu Pichi Stojkovic, il est plus compliqué également de supporter l'OM avec la direction que l'on a par rapport à celle qu'on avait à l'époque, le grand Bernard Tapie, dit le boss, qui évidemment, avec Sébastien, on avait fait une émission sur les années Tapie et sur, évidemment, si tu... Et je pense que beaucoup de personnes le savent, tu ne trouveras pas des mots qui seront négatifs envers Bernard Tapie, parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, comme beaucoup de supporters, et en plus qui comprend justement l'univers marseillais et qui a su faire de ce club ce qu'il était, peut-être pas ce qu'il est à l'heure actuelle, parce que l'univers est différent. Mais voilà, c'est encore plus difficile aujourd'hui de suivre ce qui peut se faire, même s'il y a des choses qui sont bien faites, parce que l'univers marseillais est quand même quelque chose qui était que Bernard Tapie avait su s'approprier. Et c'est vrai que c'était un régal. Moi, je suis un peu plus jeune que vous, mais j'ai découvert aussi l'OM avec les années Tapie à partir de 90-91. Et c'est Marseille. On a tous un rapport inexplicable avec ce club, et que seuls les passionnés que nous sommes peuvent comprendre, parce que pour les autres, moi aussi, je suis comme toi, originaire de région parisienne, et certains ne comprennent pas forcément la passion qu'on peut avoir pour ce club, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous colle à la peau, et on ne pourra jamais s'en défaire. C'est certainement ce qui fait la différence avec d'autres clubs de Ligue 1 en France. C'est pas comparable. Non, c'est sûr que c'est pas comparable, parce que ça va au-delà de simplement l'équipe qui est sur le terrain. C'est qui que ce soit qui porte ce maillot, on va au stade Vélodrome pour supporter une institution, une ville au sens large du terme, parce que c'est vrai que je suis bien placé pour le savoir qu'au Phocéen, on était regardé non seulement par des Marseillais intramuros, mais ça représentait simplement que 30% de notre électorat. Au-delà de ça, il y avait 60% qui se diffusaient partout en France et partout à travers le monde. Et un club qui est aussi supporté, quel que soit son appartenance géographique, c'est qu'il véhicule certaines valeurs et une certaine image, au-delà même de simplement le football et l'équipe qui joue sur le terrain. On en a vu passer des équipes de chèvres, hein, je veux dire, à travers les âges, on en a vu passer beaucoup, et la ferveur, la passion du stade, du club et des supporters n'a jamais changé, même en Ligue 2. Là, j'ai reçu dernièrement sur une émission Marcel Dib, avec qui on a eu l'occasion d'en discuter. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de supporters, que d'avoir suivi cette équipe en Ligue 2, avec cette équipe de charognards, de battants, de guerriers, de minots, de mélangés avec des joueurs qui étaient expérimentés. Une équipe construite par Bernard Tapie également à l'époque, on s'en souvient, suite à l'OMVA. Et cette équipe-là, même en Ligue 2, même contre Cuiseaux-Louhans ou des équipes qui aujourd'hui ne nous font plus rêver, ben on l'a suivi, on l'a supporté et on en garde des souvenirs extraordinaires. Donc tout ça pour dire que cette passion-là, elle est au-delà même du football, elle est je pense, dans tout ce que peut représenter Marseille historiquement. C'est aussi une espèce de fantasme aussi, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a aussi cette un peu confrontation entre la capitale et l'anticapitale, entre les Marseillais, les Parisiens et la province, et pour le coup, on est la capitale, pour moi, du football de province et de France. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est toute une histoire olympienne qui fait que,
quand on tombe dedans, quand on est petit, ben, c'est terminé, on y reste. Et pour la question, écoute, excuse-moi Sébastien, juste je tiens à préciser que tu as entièrement raison, et c'est d'ailleurs ce qu'Aimé Jacquet a précisé lors du premier match contre de la Coupe du Monde 98, lorsqu'on réceptionnait l'Afrique du Sud, il me semble, au Vélodrome. Ouais, l'Afrique du Sud, oui. C'est ce qu'il dit dans les vestiaires. Hein. Si les gars, vous êtes dans le fief du football français, et c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Pour revenir, effectivement, c'est un virus qu'on attrape et qu'on garde. Moi, c'est pareil, hein. Je suis de Montauban et je me rappelle que, comme tu disais, de la Ligue 2, être allé, on avait fait un bus de supporters de Montauban pour aller voir OM Sion. À l'époque, en Coupe d'Europe, tout à fait. Ah, c'était extraordinaire aussi. Quelle épopée. Quelle épopée formidable. Donc, merci d'ailleurs d'avoir reçu Franck Sauzet. Moi, s'il veut venir sur cette antenne, c'est tous les jours. Ah oui, c'est clair. Notamment. Allez, on va partir. Donc, le menu de ce soir, c'est d'abord un petit peu les déclarations de Jacques-Henri Hérault, le président actuel de l'Olympique de Marseille, qui est un peu fracassant. Donc, on avait envie d'en parler, même si c'était un début de semaine. On n'a pas pu en parler, nous, avant, juste dans ma revue de presse, mais c'était très court. Ensuite, on voulait parler un petit bilan de la première partie de saison, puisque du coup, c'est la trêve. On peut faire un petit bilan, les recrues, le nombre de points, etc. Et terminer du coup sur l'avenir, comment on voit l'OM en deuxième partie de saison et bien plus loin, parce qu'avec la crise actuelle, il faut voir comment l'OM pourra sortir de tout ça. Donc, je vais d'abord lire un petit peu les déclarations qu'a fait Jacques-Henri Hérault sur différents médias. D'abord, le premier média, LinkedIn, disons, un coworking, où il a déclaré notamment, j'ai pris quelques phrases assez marquantes, « Quand je suis arrivé à l'OM, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C'est un danger, c'est un risque. En termes de productivité, l'impact d'une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs était fort et cela ne va pas. » Je termine comme ça, je ferai tout et après on fera peut-être un global sur ça. À France Bleu Provence, je n'ai pas noté précisément, mais bon, j'ai vu qu'il critiquait un petit peu les anciens salariés de OM Télé et qui disait que c'était un média des années de 1900, en fait, du siècle, deux siècles précédents. Ensuite, dans l'équipe, nous voyons des bandes désorganisées fondre sur nous. Ce sont des coalitions baroques d'anciens salariés, licenciés, des deux dirigeants à la retraite qui pensent que l'OM leur appartient toujours, des supporters ultra exclus du stade, des prestataires écartés, des politiques locaux en mal de notoriété, d'anciens joueurs frustrés de ne pas avoir décroché de contrat avec le club. Donc du coup, Stéphane, comment tu as réagi quand tu as entendu toutes ces déclarations, dis-moi. Ben ma première réaction, ça a été celle du supporter un peu épidermique en me disant… Pourquoi lancer ça ? Enfin, non, c'est pas vrai. C'est catastrophique d'imaginer qu'un club qu'à Marseille, il ne puisse pas y avoir un organigramme purement marseillais. Au contraire, ça se passerait mieux parce qu'ils connaissent l'environnement du club. Et ma deuxième réaction avec du recul est de me dire simplement, il a le droit de le penser, mais quelle erreur magistrale de communication que de le dire. Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Bernard Tapie n'était pas un Marseillais. Il faut se rappeler que toutes les équipes dirigeantes marseillaises qu'on a connues à travers les âges, ça a été une catastrophe. C'est factuel. C'est-à-dire que… Pape Diouf, mais on sait quelles difficultés il a eu en arrière-boutique à gérer tout ce dont parle Jacques-Henri Hérault aujourd'hui. C'est-à-dire que Pape Diouf, à l'époque, a eu beaucoup de difficultés à gérer exactement ce que décrit Jacques-Henri Hérault. Ce qu'il a réussi à gérer de meilleure manière, en tous les cas, lui, parce qu'il avait une connaissance de l'environnement, mais là, plus des supporters, etc. Il y a certaines choses qu'il a magnifiquement gérées, mais c'était déjà, ça a toujours été compliqué à travers les âges. Donc, sur ce constat-là, je n'ai pas envie de dire non, il dit de la merde, ce n'est pas vrai. On peut toujours… Moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est que c'est vrai que c'est très compliqué d'être à la fois un acteur de la vie sociale, publique ou politique marseillaise et d'être le dirigeant de l'OM ou d'avoir des fonctions à l'OM. Donc ça, c'est, pour moi, ce n'est pas forcément une erreur, mais au niveau communication, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que Jacques-Henri Hérault, aujourd'hui, à chaque fois qu'il intervient, quoi qu'il dise, de toute façon, ce sera mal reçu. Voilà. On est dans une situation où il a connu une époque très courte
on va dire, de crédibilité très haute auprès des supporters marseillais. Il faut s'en souvenir. C'était à l'époque de l'arrivée de l'actionnaire. Il avait une hype très importante. On aimait beaucoup son image, on aimait beaucoup son dynamisme. Pour le coup, il communiquait parfaitement bien jusqu'à ce que les résultats l'abandonnent. Et à ce moment-là, le déclenchement de la chute aux enfers, ça a été la tisane. On s'en souvient tous. J'allais te dire ça, effectivement. Moi, je trouvais, pendant les premières années, j'étais vraiment très satisfait de sa communication. Je trouvais que c'était très sérieux. Et puis, le coup de la tisane, pour moi, c'était un déclic. Je me dis, tu ne peux pas parler de ça. Ou alors, après, franchement, tu vas chercher Agüero, je ne sais pas qui. Enfin, OK. Voilà, exactement. Mais quand il n'y a rien après, c'est là où il y a un petit décalage. À partir de là, l'ensemble de ces interventions sont très mal reçu par l'environnement marseillais, les supporters comme les observateurs, parce que quoi qu'ils disent de comment dirais-je de juste ou de totalement injuste, eh ben il sera durement jugé et je pense que la meilleure décision qu'il a eu prise, et on l'a vu, c'était une vraie décision, c'était de prendre du recul par rapport à la communication. Sur le sportif notamment, mais également à tous les niveaux, en déléguant cette communication, que ce soit à Longoria, que ce soit à Villas-Boas pour le terrain, que ce soit à d'autres personnes du club. Il a nommé un directeur général, il a fait des choses pour justement pouvoir prendre ce recul. Malheureusement, quand quelqu'un le sollicite pour faire une interview, que ce soit LinkedIn, l'équipe ou quoi que ce soit, il y va avec ses convictions, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des convictions et pas forcément des convictions malsaines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, quand... moi, je me souviens d'un épisode où il apparaît, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, où il apparaît en photo avec une jeune supportrice du PSG, après l'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, où il dit... déjà apparaître avec cette photo-là, le lendemain, c'était au niveau de l'image pour les supporters marseillais catastrophique. Mais pour lui... C'est simplement admirer cette jeune fille qui alors que son club venait de se faire lamentablement sortir de Coupe d'Europe, qui gardait l'amour de son club. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est malsain en soi. Mais par contre, quand tu es président de l'OM, tu ne fais pas ça. Je te rejoins, Stéphane, où effectivement, sur le fond, effectivement, moi, je suis d'accord, ce qu'il a dit, ce n'était pas extraordinaire, mais je ne sais pas, quand tu es dirigeant, même, il a été dirigeant d'entreprise, de grande entreprise, au niveau de la communication, du tact qu'il faut avoir par rapport à ses clients ou les supporters, tu sais que tu ne peux pas dire des choses comme ça, quoi. Donc, je ne comprends pas comment il peut se faire avoir Je pense que le premier piège dans lequel il est tombé et dans lequel tous les présidents de l'Olympique de Marseille sont tombés les uns après les autres, peut-être un peu moins, un degré moins, comme vous le disiez tout à l'heure justement, Pape Diouf, c'est que c'est la lumière du poste fait péter les plombs et rend fou. C'est-à-dire que ça a été le cas de l'ensemble des personnes qui sont accédées à cette fonction, parce que d'un coup, on s'aperçoit que c'est non seulement une fonction qui est plutôt sympathique en termes de boulot, hein, je veux dire, on ne va pas se mentir, président de l'OM, ça a quand même de la gueule, mais d'un coup, toutes les caméras de France entière, parce que c'est l'OM, sont braquées sur nous. C'est les caméras locales, les caméras nationales, les caméras internationales, et d'un coup, on se retrouve vraiment mis en lumière, et c'est une chose qu'un mec aussi compétent qu'il soit dans son ancienne vie, Jacques-Henri Hérault, n'a pas forcément l'habitude de connaître. C'est-à-dire que quand tu es directeur général de Disney, par exemple, tu n'as pas les caméras qui viennent t'interviewer sur la façon dont tu gères Disney tous les jours. Donc, à partir de là, tu peux vite te faire piéger en expliquant certaines choses. Et c'est arrivé de nombreuses fois où il faisait des conférences, où il parlait de tout autre chose que de l'OM, mais forcément, on revenait sur le sujet OM. Et quand tu isoles certaines phrases de ses discours et que tu les mets comme ça ou tu les récupères en tant que supporter de l'OM, elles sont inaudibles ou insupportables. Je pense que c'est vraiment la lumière qui fait péter les plombs. Mais Stéphane, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est compliqué, mais quand... je ne serais pas président de l'OM, mais si jamais je pouvais accéder, le minimum que je ferais, c'est déjà d'aller me faire me conseiller par des anciens présidents de l'OM. Alors, évidemment, maintenant, il n'y a plus trop qui sont... Pape Diouf, le regretté, est parti, mais au moment où il est arrivé, en 2016, je ne sais pas, je serais allé voir Pape Diouf, je serais allé voir Bernard Tapie, et j'aurais écouté leurs conseils,
pourquoi, pour éviter justement les écueils. Déjà, c'est une première chose. Et puis après, moi, ce que je lui reproche, en fait, tu parlais de Bernard Tapie, qui effectivement était parisien, il n'était pas dans le football. Mais nous, on l'a souvent dit sur cette antenne, c'est que qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Il allait prendre un conseiller, Michel Hidalgo, le top à l'époque au niveau sportif. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Michel Aulas quand il est arrivé à Lyon? Il ne connaissait pas non plus au foot. Ben, il s'est entouré également de personnes qui étaient comment dire, compétentes dans leur métier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ces erreurs-là qui déjà faisaient mal partie des projets, quoi? Je te rejoins tout à fait. Est-ce qu'il est allé, Jacques-Henri Hérault, téléphoner, voir Bernard Tapie? Est-ce qu'il est allé voir Pape Diouf? J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, c'est ce que j'ai pu voir, ce que j'ai vu passer, c'est qu'il s'est entouré de deux personnes. Rudy Garcia, premièrement, pour le football. À l'époque où Rudy Garcia signe, je pense qu'on est 90% de supporters marseillais à accueillir cette signature de manière très positive. J'en faisais partie aussi. Moi également. Voilà. Et deuxième chose, il s'entoure de Zubizarreta en tant que directeur sportif. Et 90% des Marseillais, lorsqu'on voit Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de Barcelone, arriver à l'OM, on se dit, ça a de la gueule. Donc, quelque part, je me dis, effectivement, ce n'est pas l'environnement marseillais. Effectivement, c'est pas, il ne rappelle pas des grands noms du club. Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter ensemble, justement. Il ne rappelle pas des grandes légendes ou des grands noms du club auprès de lui. Mais par contre, il s'entoure de personnes compétentes, en tous les cas supposées compétentes, pour gérer le sportif, chose que lui dont lui n'est pas spécialiste. Donc, cette démarche-là, je pense qu'il l'a eue. Malheureusement, bah, il s'avère que ça a été deux très mauvais choix. Ouais, alors, mais après, sur l'arrivée de Jacques-Henri Hérault, je pense pas. D'ailleurs, Stéphane, j'aimais beaucoup Yonamar aussi. Oui, merci. À l'époque. Donc, à l'époque, effectivement, et c'est sans nous rappeler que la direction précédente, en tout cas le poste de président, n'était pas forcément occupé par quelqu'un de plus complaisant que Jacques-Henri Hérault, puisque je pense que le profil que tu jouais, puisque évidemment c'était un pseudo, était notamment en relation de cause à effet avec ce qui se passait aussi au sein du club, à l'Olympique, tout à fait. Avec les décisions qui étaient prises par Vincent Labrune, qui, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, rappelait lorsqu'il a été nommé président de l'Olympique qu'il était une des personnes les plus fortes de l'Hexagone en étant nommé justement président de l'Olympique. Alors Jacques-Henri Hérault est nommé aussi à ce moment-là, à un moment où plus personne ne veut de Vincent Labrune. Je pense qu'on va être 99% totalement. Hein, des supporters aussi. Et c'est vrai que les débuts de Jacques-Henri Hérault étaient quand même très prometteurs. J'aimais beaucoup sa communication. D'ailleurs, je ne sais pas quel axe il a pris depuis, mais au début, c'était vraiment exceptionnel. Il arrivait à satisfaire les supporters de l'OM. Il arrivait aussi à se faire des amis chez les Twittos, puisqu'il en citait quelques-uns, etc. Et effectivement, à partir de l'épisode de la tisane, ça a commencé à être différent. Alors, pourquoi il a pris ce changement de ton, je ne sais pas. Moi, ce qui me dérange, en fait, avec Jacques-Henri Hérault, parce que la personne dans son domaine est brillante, on ne peut pas lui reprocher. C'est quelqu'un, évidemment, qui a de grandes compétences. Mais je pense, moi, qu'il n'est pas à sa place et qu'il a des lacunes en communication, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qu'on peut penser, mais qu'on ne peut pas dire. Tiens, par exemple, un exemple tout simple, pour beaucoup de supporters de l'OM, il est incompréhensible qu'ils puissent suivre à l'heure actuelle qu'il y a même Mbappé. C'est ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est une erreur parce que il faut essayer de rester dans le politiquement correct. Et lui, en arrivant justement de ses positions, il a commencé sur un axe assez flatteur au niveau des Marseillais dans leur ensemble. Mais finalement, en fait, il se détache de tout ça. Enfin, quand il explique qu'on ne peut pas être fanatique de l'OM, enfin, j'ai vu à vérifier, mais que sur certains CV qui arrivaient à l'Olympique de Marseille, et à l'instant où tu étais fan de l'Olympique ou alors que tu avais des accointances avec l'Olympique de Marseille, ton CV était systématiquement mis de côté. Enfin, je veux dire, on ne comprend pas non plus pourquoi l'OM, ce n'est pas comme au Bayern de Munich où on a des légendes qui entourent le club. Enfin, je veux dire, des gens comme Franck Sauzet, alors, comme Eric Dimeco, c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas les avoir dans l'entourage du club.
Le problème là-dedans, et je vous rejoins à 100% là-dedans, le problème c'est que on parle, là vous avez cité les bons exemples qui pourraient éventuellement être dans l'organigramme du club. Le problème c'est que quand on pense, et c'est vrai que le meilleur exemple par rapport à ça, c'est le Bayern de Munich. C'est un peu le fantasme qu'on a, c'est-à-dire que l'institution Bayern, c'est qu'à chaque fois, de grands joueurs deviennent, prennent de grandes responsabilités au sein du club, et ça se transmet. Et cette philosophie se transmet. On a vu passer des Beckenbauer, des Rummenigge, Oliver Kahn. Enfin, il y a toute une série comme ça de joueurs qui ont pris des responsabilités honnêtes et qui ont gagné parce que la structure est très forte, l'organisation est très forte. Et parce que surtout, il y a une certaine stabilité de l'institution avec, une certaine philosophie, parce qu'on va pas se mentir aussi, c'est aussi une question d'état d'esprit, de culture. Les Allemands sont, à Munich particulièrement, c'est quelque chose qui, on va pas comparer le mode de vie allemand qui est ultra, je veux pas rentrer dans les clichés, mais très très structuré. Le club du Bayern de Munich, c'est une machine qui dure depuis combien de temps maintenant? Ça fait 50 ans que ça dure, ce bon fonctionnement-là, peut-être même plus. Et il n'y a pas de haut et de bas. Nous, on est un club latin, avec du sang chaud, avec des supporters qui sont extrêmement chauds, extrêmement virulents. On a une histoire qui se fait malheureusement pour nous, à la fois en pointillé et surtout avec une courbe sinusale très importante, avec des très hauts et des très bas. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et ces légendes-là n'ont pas forcément les compétences, nos légendes, du club. Alors oui, tu as cité fort justement Dimeco, il y a des gens comme Franck Sauzet qui ont... Rudy Boller qui a été directeur sportif, qui a été président de la Serbie, enfin tu vois, il y en a quand même qui ont... Ça aurait été des bonnes idées à tenter, je suis d'accord avec vous, ça aurait été à tenter. Maintenant, aucun propriétaire, et c'est là où il faut y revenir, c'est que nous avons eu la chance à l'OM, si nous existons encore, je pense, et je le pense sincèrement, pourtant, puisque tu as connu Yann Amar à l'époque, qu'est-ce que j'ai été critique sous l'époque Louis Dreyfus. Mais on a eu une chance incroyable à l'Olympique de Marseille d'avoir des propriétaires comme Robert Louis Dreyfus et Margarita par la suite, même si c'était la même chose, et Franck McCourt aujourd'hui, parce que si nous n'avions pas des propriétaires comme ça, je pense que le club serait dans des difficultés. Enfin, je ne sais même pas si le club existerait encore en Ligue 1, et je le pense sincèrement ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ils ont... Tu as raison de le penser parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais on le dit souvent sur lors de nos émissions. D'ailleurs, on dit rarement du mal de Franck McCourt. Enfin, on essaye de ne pas le dire aussi parce que c'est quelqu'un qui met son argent personnel, qui fait des investissements, qui s'est peut-être trompé en déléguant, certes, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Les deux choses qu'on peut reprocher à Franck McCourt, c'est... Enfin, c'est même pas lui reprocher, c'est que... En fait, par la grande différence avec un Bernard Tapie à l'époque, c'est que déjà le contexte économique n'était pas le même, c'est-à-dire que les tarifs n'étaient pas le même. La capacité économique d'un Bernard Tapie à l'époque était énorme. Aujourd'hui, la même capacité économique de Bernard Tapie, alors c'est difficile de faire des projections, etc., mais c'est l'erreur de Franck McCourt et de Jacques-Henri Hérault. Ils avaient un budget qui n'était pas dégueulasse quand ils arrivent. Quand ils nous parlent de 200 millions d'euros à investir sur le marché des transferts, je pense que vous comme moi, on s'est dit sympa quand même le budget. Ouais. Avec ça, tu peux arriver au niveau de l'Atlético de Madrid, de Porto, de Séville. Mais si on est francs tous les trois autour de cette table, puisqu'on est à peu près autour d'une table, si on est francs tous les trois, on s'est dit oui, pourquoi pas, si c'est très bien investi, bien géré. En fait, ouais. On s'aperçoit a posteriori que 200 millions d'euros à l'échelle de la Ligue 1, tu peux construire une équipe qui va en Ligue des Champions. Par contre, tu ne construis pas une équipe qui peut jouer la Ligue des Champions avec cette somme. Ah, je ne suis pas surtout... forcément d'accord. Si tu étais l'exemple de Monchi à Séville, qui quand même, je pense qu'il y a à peu près le même budget, peut-être un peu plus maintenant, parce que chaque année, ils vont en Ligue des Champions, mais ils ont réussi quand même à avoir des joueurs, alors c'est vrai que des joueurs bankable aussi qui peuvent revendre, mais de construire une équipe intelligente. Mais je reviens à tout ce que tu disais un petit peu avant, je suis d'accord avec toi, bien sûr, mais... Est-ce que justement le fait Bernard Tapie, effectivement, c'est quand il est arrivé, c'était lui le propriétaire, donc c'est ça, forcément. C'est toute la différence. Un président propriétaire, même, ça change tout. Ouais, mais quand même, si tu veux, tu peux très bien effectivement avoir un propriétaire lointain, comme a été Robert Dreyfus et McCourt. Mais après, si tu as des hommes qui sont vraiment bien en place et qui savent s'entourer,
tu peux quand même faire du bon boulot, tu vois. Oui. Et ce que je te disais tout à l'heure, moi, je reproche à Jacques Arriero de justement de ne pas s'être entouré et quelque part, un peu le discours, comment dire, entrepreneurial, j'ai rien contre l'entrepreneur, j'étais entrepreneur moi-même, fait à petite échelle, mais ce côté un petit peu hautain, si tu veux, condescendant, voilà, on va réussir à avoir Agüero et on vous porte la Ligue des Champions, on va y arriver sans problème. Il faut être un petit peu humble quand même. Je pense que l'erreur est là, mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour moi, la démarche de Jacques Arriero quand il s'entoure de Rudy Garcia et de Zubizarreta, qui sont pour moi deux magistrales erreurs de casting, mais qu'on aurait pu commettre, que n'importe quel autre, on va dire, président délégué aurait pu commettre, c'est là où réside tout le problème. Parce que si tu avais eu, et sans aller chercher des fantasmes qu'on a pu entendre, si tu avais eu, Longoria, dès le début de l'aventure, on n'en serait peut-être pas là non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits de rapatrier Payet, un choix très fort dès le début. Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée? Quand il arrive, en tous les cas, on se dit « c'est plutôt sympa de récupérer le Payet de West Ham ». On va chercher Strootman, qui, quand il arrive, demi-finaliste de la Champions League, on se dit « putain, Strootman, franchement, c'est costaud au milieu de terrain, ça va nous faire un bien fou ». En fait, il s'avère que c'est un pur flop. Oui, aurait pu mieux investir ces 200 Stéphane, millions d'euros. Est-ce que l'erreur, vous l'avez souvent dit d'ailleurs sur le fossé, certain, est-ce que l'erreur au départ, ce n'est pas justement de nommer l'entraîneur avant le directeur sportif et en plus cet entraîneur-là, moi je le connais, c'était au même public à Dijon, il était à l'époque c'était une troisième division, mais je l'ai vu comment il faisait, c'est qu'effectivement il est omnipotent, il est forcément très talentueux. Alors après, il y a une autre question à se poser d'ailleurs, quand on voit qu'il réussit à Lyon, est-ce que du coup ce n'est pas forcément le niveau des joueurs qui fait que… Ah mais ça c'est une évidence et on va y revenir aussi sur le bilan, oui. Voilà, il a été choisi à l'Olympique comme à Lyon pour les résultats dans l'instant T, puisqu'il a des résultats tout de suite, Rudy Garcia. C'est souvent la continuité. Ce que je trouve que c'était dangereux, et on l'a vu, et on le connaissait, tous les journalistes et les consultants des médias nationaux, vous les reconnaîtrez, même si je n'étais pas d'accord avec eux. On peut dire maintenant qu'ils avaient raison. On sait que comment fonctionne Rudy Garcia sur le marché des transferts. C'est lui qui va recruter. Il ne va pas écouter le directeur sportif. En plus, comme il est arrivé avant Zubizarreta, et Zubizarreta, sa personnalité très humble, très timide, a fait qu'il ne s'est pas imposé, alors qu'il avait apparemment apporté des joueurs qui pouvaient être bien meilleurs que ce qu'on a eu, quoi. Tout à fait. Mais cet échec-là, je pense qu'on aurait pu… Alors oui, effectivement, mais bon, pour une personne ne venant pas du football, c'est une erreur qu'on aurait pu commettre. Je parle en termes de timing, c'est recruter d'abord un directeur sportif, puis un entraîneur choisi presque par le directeur sportif, en tous les cas, en étroite collaboration avec lui. Ça n'a pas été fait comme ça. Maintenant, les deux personnes qui arrivent, à la base, ils pensent que ça va justement être de la compétence sur ces secteurs-là, ils se plantent, mais je pense qu'on se serait planté aussi. Au niveau communication, c'est une catastrophe parce que justement, il a l'image aujourd'hui du Parisien qui a ce côté un petit peu arrogant et qui juge les Marseillais avec hauteur en disant ce qu'il a dit, j'ai pas besoin de le répéter. Pour moi, c'est une image de laquelle il sera très très difficile de sortir. La seule façon d'en sortir. La seule façon d'en sortir pour lui, c'est justement de se mettre en retrait, de ne plus faire ce genre de déclaration, de ne plus répondre à la presse, de travailler en sous-marin. Parce qu'encore une fois, en tant que moi, ce qui me choque, c'est qu'ils le disent. Ce qui ne me choque pas, c'est qu'ils le pensent. C'est-à-dire que s'ils pensent qu'il ne faut pas des Marseillais, attention, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'en tant que des entraîneurs de gardiens de but ou entraîneurs des attaquants ou scouts pour le club ou responsable de la cellule de recrutement qui est des Marseillais, ça ne me dérange en rien. Maintenant, pour gérer administrativement le club dans les bureaux, j'en ai rien. Quelque part, moi-même, en tant que supporter, je m'en fous qu'ils soient supporters de l'OM. Ce que je veux, c'est qu'ils fassent bien leur boulot et que les fax partent à l'heure quand il s'agit de finaliser un transfert. Donc moi, c'est ça qui m'importe. Qu'ils soient supporters de l'OM, limite, je m'en tamponne. Maintenant, ce que tu ne dis pas, c'est ça. Tu ne le dis pas parce que de toute façon, ça ne peut pas être bien reçu par le peuple marseillais. Et ça n'a pas été bien reçu par moi, ça n'a pas été bien reçu par toi. Moi, j'ai une question qui me pose. Alors après,
Bon, j'ai peut-être pas la réponse, hein, ou alors je l'ai, mais je ne veux pas la dire. Est-ce que Jacques Carriero a-t-il changé depuis ses débuts à l'OM en termes de comportement, d'attitude, de relations avec les supporters, les médias, ou bien est-ce que c'est, en fait, ces dernières déclarations, même d'autres, révèlent en fait sa vraie personnalité. En fait, c'est un peu des deux, quoi. Il y a un peu des deux, parce que c'est je pense que c'est un entrepreneur à sang-froid. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère de manière macroéconomique une structure, et quelque part, c'est ce qu'on lui demandait, c'est ce que McCourt lui demandait, c'est-à-dire de gérer l'Olympique de Marseille comme une véritable entreprise, en termes de marketing, en termes de gestion sportive, évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font dans le club qui ne se faisaient pas les années précédentes, on ne va pas se mentir, il y a des choses qui en tous les cas, qui ont été mises en marche, et là-dessus, il y a pas mal de bilans positifs à en retirer, mais le problème, c'est que quand on gère une structure de cette manière-là, eh ben, il ne faut pas représenter la structure en termes de communication, parce que ce n'est pas du tout en rapport avec ce que les supporters attendent, du tout. Les supporters attendent de la ferveur, de la passion, de l'amour du club, et non pas une gestion froide et tout à fait reptilienne du club. Voilà, c'est un peu l'instar d'une chaîne cryptée qui lisse ainsi des journalistes. Oui et non, parce que pour parler d'eux, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça, oui et non, parce que c'est l'esprit canal qu'on a connu, nous, à une époque. Je sais pas si je pense qu'on. Enfin, moi, je l'ai cité, pardon. Mais cet esprit-là, on l'a connu à une époque, ça fait longtemps qu'ils l'ont perdu. Ah oui, c'est clair, d'accord. Ça fait des années et des années qu'ils l'ont perdu. Évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sentiment dans l'entreprise d'aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas propre à l'Olympique de Marseille, c'est partout. Non, on est d'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on demandait à Jacques Henriero, ce que McCourt demandait à Jacques Henriero, c'était de gérer cette entreprise de la meilleure des manières en termes marketing, en termes commercial, en termes à tous les niveaux. Donc, qu'il le fasse. Le problème, c'est que comme il a pris ses coups de projecteur et qu'il représentait l'institution olympienne, il s'est exprimé en qualité de président au nom de l'institution. Et c'est là où les erreurs ont commencé à être commises, parce qu'il ne connaissait pas l'environnement comme il le fallait, parce qu'il a été maladroit à de multiples reprises. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'exprimera, les gens ne sentiront pas Jacques-Henri Hérault légitime à s'exprimer en leur nom. Alors, on va peut-être terminer cette partie, mais juste, j'ai une question qui rebondit là. Justement, tout ce que tu dis, pourquoi McCourt, en fait, continue à le laisser en place alors qu'au niveau financier, les finances sont exsangues, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une situation économique à travers le monde. Oui, mais elle était avant le Covid, quand même. Oui, on va dire que je suis pas sûr. En tous les cas, je suis pas sûr que ce soit une si grande catastrophe que ça en termes économiques. C'est-à-dire que si on arrive aujourd'hui à maintenir une certaine vie au sein de l'Olympique de Marseille, là je parle pas du sportif du tout, je parle au niveau structurel et économique. Si on arrive à passer le fait qu'il n'y a plus de supporters au stade, donc plus de billetterie, si on arrive à passer le fait que le sponsoring se casse la gueule, on va parler également aussi des droits télé, parce que c'est forcément un axe extrêmement… Si on arrive à passer économiquement cette période-là, ça relèvera du miracle, et à ce moment-là, on ne pourra pas avoir le même regard sur la gestion de Jacques-Henri Hérault et de McCourt à ce moment-là. C'est pas possible. Je viens de voir une déclaration qu'il a dit, Jacques Henriero, que 65% des recettes de l'OM étaient impactées par… On est d'accord. Donc, quand on démarre un projet il y a 4 ans maintenant et qu'on se retrouve dans une situation comme ça, mais comme le monde entier se trouve dans cette situation-là, si on arrive à survivre à cette étape-là, économiquement, ça passera évidemment par des résultats sportifs, parce que la Ligue des Champions est pour moi un passage obligatoire à la survie du club. Et je parle de survie, hein, je parle bien de survie. Bien sûr, Donc, ça passera par des résultats sportifs, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y aura eu un travail également économique sur la structure qui aura porté ses fruits. S'il échoue, à ce moment-là, oui, ce sera catastrophique à bien des secteurs. Mais je pense que si… Donc, pour répondre à la question que tu me posais, si McCourt maintient Jacques-Henri Hérault dans cette situation de président, même si aujourd'hui il bénéficie d'une image qui est très, très altérée auprès des supporters, c'est qu'il doit être satisfait de cette gestion-là. Maintenant, je ne la connais pas, cette gestion-là, je suis incapable de juger. Aujourd'hui, je n'ai pas les bilans financiers, je n'ai pas les décisions qui ont été prises en interne, donc je ne peux pas la juger. Mais je pense que pour répondre à ta question, c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui.
Alors, pour Alors, conclure, Romain, je t'ai pas trop laissé parler. pour conclure sur Jacques-Henri Hérault, c'est vrai que tu le disais effectivement, Franck McCourt lui demande de procéder d'une certaine manière, et je pense que ce qu'ils n'ont pas compris tous les deux, c'est que justement, ils sont dans un club où il faut procéder de la manière dont les supporters le veulent. C'est quelque chose qui est très approprié à Marseille, à l'Olympique de Marseille. C'est que il faut faire attention à l'attachement, au fanatisme que génère ce club autour des supporters. Et finalement, l'écho que ça peut avoir auprès des supporters va être bien plus important que la politique qui va être mise en œuvre, justement, soit sous l'aval d'un actionnaire, soit sous les propos du président. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas été en mesure de comprendre. Et on le dit souvent, nous aussi, lors de nos émissions, nous sommes supporters de l'OM, nous ne sommes pas Marseillais. Toi qui es désormais supporter de l'OM et Marseillais, tu dois pouvoir nous expliquer en plus qu'aujourd'hui, pour les Marseillais supporters de l'OM, c'est encore plus problématique d'entendre ce genre de choses, parce qu'en plus du club de foot, j'imagine qu'il y a tout le reste. Il y a un côté social dans ces déclarations, mais qui existe depuis toujours. Je veux dire, j'ai de la famille à Paris parce que enfin, on va dire ma mère était originaire de là-bas. Donc pour les Parisiens, on va pas se mentir, les Marseillais sont des fainéants. J'emploie un mot gentiment dit, mais c'est-à-dire qu'on a cette image depuis toujours, depuis le d'être des gens qui ont un rythme de vie inférieur à la capitale, qui aiment bien ne pas travailler ou en tous les cas faire le minimum. C'est une image qu'on colporte et qu'on se traîne depuis des années et des années. Et ce côté parisianisme un petit peu supérieur et hautain et arrogant, c'est ce qui a aussi forgé cette espèce de ferveur, de passion, d'amour pour l'OM, enfin pour Marseille, pour la ville de Marseille. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je suis de Montauban. Effectivement, on le sent, ce côté parisianisme dans les médias. Enfin, c'est insupportable. Déjà, de dire le mot province, moi, je ne peux pas. Oui, voilà, c'est ça, mais C'est c'est là où tu as raison, c'est là où c'est compliqué de le vivre. Et dès l'instant où il y a des petites choses qui ramènent à cette idée-là, et c'est le cas des différentes déclarations dont on parlait en préambule de Jacques-Henri Hérault, c'est que d'un coup, il y a cette hauteur et cette petite arrogance qui remet les Marseillais à une place injustifiée quelque part, mais c'est plus compliqué que ça. Donc au final, oui, c'est assez épidermique. En fait, ça va être juste épidermique. C'est-à-dire que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, maintenant, ça devient épidermique. Elle est trop loin, il y a le point de non-retour. Et pour faire une comparaison, alors certes, avec ses limites, mais regardez récemment les reportages de Maradona quand elle est partie, avec Naples, comment a été traité Naples par les équipes du Nord, où c'était quand même, ça allait très très loin, quoi. Alors c'est vrai Oui, qu'on c'est. parlerait forcément plus les préjugés, mais c'était quand même très insultant, quoi. Mais complètement. Et c'est vrai qu'en plus, maintenant est né. Alors avant, il y avait cette rivalité, on va dire. Alors, c'est même pas vrai, puisqu'avant, la vraie rivalité avec Marseille, c'était Toulon, c'était Bordeaux, à notre époque. Et est né. Bernard Tapie a été exceptionnel là-dessus. C'est qu'il a créé une rivalité de toutes pièces entre Ah Paris Saint-Germain et l'OM, et qui a alimenté notre ferveur et qui aujourd'hui est encore présente parce que plus personne ne peut supporter le Paris Saint-Germain quand on est supporter de l'OM, parce que c'est comme ça. C'est dans les veines, c'est dans le sang et on peut pas les voir. Encore plus depuis que le Qatar est arrivé. Mais on va à Lyon, quelque part, je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Marseillais qui se disent, je déteste Jean-Michel Aulas, mais s'il avait été président de l'OM, il aurait une statue sur le Vieux-Port. Évidemment. On est d'accord, on est tous On d'accord. ne peut pas se le cacher non plus, Mais c'est la parce vérité. Voilà, Moi, c'est quand la on vérité. dit pas des On se dit institutions, toi qui défends, qui mais va dans on est les deux sens, tu t'es fait voler dans un match. Bon, maintenant, c'est plus le cas avec Lyon, du coup, mais voilà, du coup, il va aller défendre l'institution, il va porter des choses, il va se mettre en avant pour faire le pare-feu. Enfin, ce qu'on attend, en fait, effectivement, d'un président de l'OM qui, ben voilà, tu fais une campagne de Ligue des Champions catastrophique. Ben, on attend qu'ils descendent dans les vestiaires, qu'ils fassent quelque chose, enfin, qu'on ne laisse pas comme ça et qu'on, finalement, oui, qu'on entende une déclaration au bout de deux défaites, les salariés marseillais sont déçus. Ben oui, forcément, ils sont déçus. Mais la vraie différence, excuse-moi, juste après, je t'interromps, la vraie différence, c'est qu'il y en a un qui investit son pognon et l'autre qui gère le pognon d'un actionnaire.
Exactement. Ouais, Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais qui était très juste sur Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on ne parlait pas de lui quand on n'avait Pape Diouf comme président de l'Olympique, hein. Le problème, c'est que depuis Pape Diouf, la personne qui est mise en place en tant que président n'a pas la stature pour pouvoir occuper ce poste-là. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le ressenti que j'ai. Et c'est pour ça que quelque part, on est obligé de se dire, évidemment, qu'on aimerait avoir un président qui prenne position pour notre club, comme le fait également Jean-Michel Aulas de son côté. Parce que lorsque tu as un président qui remplit son rôle, justement, qui est là pour préserver l'institution et représenter les Marseillais dans leur intégralité, j'entends les supporters et évidemment les habitants de Marseille, on n'a plus de corrélation à faire avec d'autres présidents de club. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on s'est trompé sur les personnes qu'on a mises en place sur ce poste-là depuis une dizaine d'années, depuis le départ de Pape Diouf, malheureusement. Et je ne parle même pas de Dassier qui était là pour dire ce qu'on lui demandait de faire. Donc voilà, Et c'est ça. c'est pourtant lui qui a été champion de France grâce au travail Exactement. réalisé en Après, on préalable. parlait de C'est Diouf ça quand qui est même. fou. Mais C'est ça. c'est C'est ça le plus fou, c'est l'irrationnel que de l'Olympique, ça. Un on est petit peu. d'accord. Mais il faut Oh. savoir que Pape Diouf, à l'époque où il était président, et à l'époque je le côtoyais personnellement pour d'autres raisons, extra-football en plus, et on avait l'occasion de parler de l'Olympique de Marseille assez régulièrement avec lui, mais Pape Diouf était au cœur de batailles quotidiennes sur les mêmes choses dont parle Jacques-Henri Hérault aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait, notamment l'un des plus grands opposants était Vincent Labrune, hein, je veux dire, qui était à l'époque directeur du conseil d'administration, enfin, Qui a eu sa peau d'ailleurs, hein. voilà, mais qui a réussi à avoir sa peau à la fin. Donc, oui, c'était un président marseillais. Oui, c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement et les supporters et qui avait réussi à établir cette paix sociale, enfin, en tous les cas, ce front commun olympique de Marseille, etc. Mais derrière, en arrière-boutique, je vous assure que c'était des couteaux qui étaient lancés de toutes Ah parts oui. par des gens qui étaient au club, par des gens qui étaient à l'extérieur du club, par des anciens joueurs qui voulaient des postes. Par tout ça, en fait, ce que décrit Jacques-Henri Hérault, même s'il le décrit très mal, c'est de tout temps. Oui, on est Là-dessus, d'accord. le constat, il est réel. Voilà, c'est sauf Oui. que malheureusement, c'est Jacques-Henri Hérault qui le dit, et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça devient épidermique. Alors, Donc, on va essayer de ce qui est passer dommageable, au. En fait, c'est qu'ils le disent Pardon. mal, si j'écoute bien ce que tu dis, puisque évidemment, ce sont des combats d'hier et d'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont pris, et son défaut, sincèrement là-dessus, ça doit être de mal s'exprimer, de mal le présenter et Le, qu'il son, fasse pas. son, son défaut, j'insiste là-dessus, c'est simplement De le de dire. s'exprimer. De le Voilà. dire. Voilà. Qu'il le pense, c'est une chose, le dire, c'en est une autre. Comme diraient certains politiques, c'est la pédagogie toujours qui fait que j'ai du mal à ce discours. Bon, Ouais. on va essayer de faire une petite partie. On ne voulait peut-être pas forcément en faire long, mais comme c'était hyper passionnant et que tu t'es prêté au Ouais. jeu, c'était super. Une petite partie quand même sur le bilan de la première partie de saison. On ne va pas le faire bien long, mais alors juste à l'introduction. Alors, ça aurait été forcément il y a deux matchs. Je n'aurais pas mis les mêmes stats, mais bon, là, c'est des stats, c'est du factuel, hein. Donc, l'OM est pour l'instant cinquième à 7 points du podium, avec deux matchs en retard face à Lens et Nice. Et bien sûr, parce que quand il y a le bilan, il faut aussi parler de la campagne de Ligue des Champions, donc avec une quatrième place et 3 points seulement dans un groupe qui était peut-être abordable. Est-ce qu'avec tout ça, toi, du coup, alors évidemment, on est quand même mieux tableau, hein, enfin, mieux, première Ouais, partie de non, saison. lapsus révélateur, oui. Oui, Oui, en vas-y. plus, première partie de. Oui, c'est vrai, les lapsus, finalement, ils sont. Première partie de saison. Ben finalement, on est à 7 points du podium. Et est-ce que tu vois, enfin moi, ben je l'ai dit souvent sur cette antenne, enfin pour moi, le classement actuel, en fait, pour moi, il correspond, avec des petites places peut-être, premier Paris, deuxième Lyon, troisième Lille. Pour moi, c'est le classement que je vois depuis, enfin disons, avant qu'on a fait les Ouais. 6 six victoires consécutives. Pour moi, je pense que Lyon, que Lille, que Paris sont devant, et peut-être même Rennes. Est-ce que toi, tu es comme ça ou alors tu es Ah optimiste ben, je vais être tout à fait franc comme toujours, c'est-à-dire qu'au début de saison, je regarde les effectifs comme on aime tous le faire depuis tout petit. On regarde les périodes de transfert, on regarde les effectifs et on s'amuse à regarder, à se dire à quel niveau on se situe. Moi, je voyais devant nous à l'époque Rennes, je voyais Lille, je voyais Lyon, je voyais Nice.
Je voyais même Saint-Étienne, en toute sincérité et en toute transparence, je voyais Saint-Étienne devant nous à l'époque. Parce que j'avais estimé qu'ils faisaient un recrutement qui était très cohérent et qui allait bonifier la saison d'avant. Je me suis totalement planté sur Saint-Étienne, hein, je me suis totalement planté sur Nice. Mais par contre, l'Olympique de Marseille, je ne m'étais pas planté. J'avais déjà dit à la saison dernière que cette équipe ne s'était pas renforcée. Et cette équipe ne s'est factuellement pas renforcée. Ce n'est pas en allant chercher Pape Gay, joueur que j'adore, mais qui est beaucoup trop jeune. Ce n'est pas en allant chercher Luis Enrique, qui est un jeune joueur qui demande à être formé, à être en tout post-formé en tous les cas. Ce n'est pas en allant chercher ce type de joueur-là que tu renforces un effectif. Tu le renforces quantitativement, mais tu ne le renforces pas qualitativement. Après, le constat, il est simple, c'est que nous avons un effectif qui était pour moi la saison dernière déjà. On a eu la chance que le championnat s'arrête. Si on revient en arrière, parce que clairement. C'était une équipe qui était en sur-régime et où Villas-Boas a réussi la magie de constituer un groupe, comme on dit dans le jargon footballistique, de faire monter la mayonnaise, de faire prendre la mayonnaise entre les différents joueurs, sans Florian Thauvin en plus. Et donc le championnat s'arrête, miraculeusement on est en Ligue des Champions. On reste sur cette idée que l'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions et que le groupe est assez fort pour y aller. Et on s'est planté totalement. C'est-à-dire que c'est un problème de niveau de joueur. Aujourd'hui, très peu de ces joueurs, et d'ailleurs on le voit, aucun grand club ne s'arrache les joueurs de l'Olympique de Marseille, si ce n'est peut-être Camara qui a peut-être une chance d'aller en Première Ligue, et encore que ce ne soit pas le championnat qui lui convienne le mieux selon moi. Mais bon, bref, aucun joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui n'est en passe d'être ne serait-ce que supervisé, contacté par des clubs dignes de ce nom, de Champions League, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, un problème de joueurs surévalués. Et ça fait longtemps qu'on les surévalue. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que tu es d'accord? Bon, tu as un peu répondu à la question, mais sur la campagne de Ligue des Champions, on les compte sur les doigts de la main, les joueurs qui ont le niveau Ligue des Champions. C'est quoi? C'est Mandanda, c'est Camara et… Ouais, et Camara… Ouais, mais Payet, le Payet de des grands jours. Le problème, c'est voilà, que… Voilà, c'est ça, j'ai d'accord. Pas le Payet de quand il veut. Le Payet de quand il veut. Et Thauvin, voilà. non plus. Ouais, mais quand il veut à 34 ans, je crois que c'est aussi quand il peut. Et avant, c'était quand il voulait. Maintenant, c'est oui, quand il veut vrai. Et peut. Donc, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le groupe qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, aussi le groupe qui n'a fait qu'un point la saison précédente en Europa League, parce que c'est un couple qui a très peu bougé depuis des années, puisqu'on n'arrive pas à vendre nos joueurs. Et qu'en plus, le recrutement est effectivement fait en adéquation avec les ventes, c'est-à-dire qu'on bricole, enfin, on pardonnerait cette expression volontairement, mais c'est clairement du bricolage, parce qu'on essaie de se focaliser sur des prêts avec des futures options d'achat qu'on lèvera ou qu'on lèvera pas. C'était déjà le cas de l'année dernière, même si on a eu la bonne surprise avec Alvaro. Donc moi, je reste persuadé que cette équipe ne s'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions, mais qu'on l'a qualifiée eu égard à la situation que l'on a connue. Parce que c'est aussi une équipe qui n'a pas été capable de faire quoi que ce soit en Europa League contre des clubs qui étaient vraiment clairement des clubs de second rang. Et encore, je suis gentil. On est tout à fait d'accord sur ce constat. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation… Enfin, il est inadmissible qu'on soit resté 4 ou 5 mercato sans prendre d'arrière-gauche pour finalement voir arriver Nagatomo dans l'effectif. Après, il y a des idées, des bonnes idées. C'est quand tu prends Balerdi par exemple ou Cuisance avec une option d'achat qui est pour moi qu'on ne paiera pas, on va pas se mentir, on va pas payer 30 millions d'euros d'options d'achat sur ces deux joueurs là qui ne renforceront pas ton groupe la saison prochaine, mais c'est pas mal sur une saison de récupérer ces joueurs là c'est pas con, c'est même plutôt pertinent quand t'as pas de pognon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de pognon parce qu'on ne sait pas vendre, mais on n'a jamais su vendre à l'Olympique de Marseille de tout temps presque. Et si on sait vendre, c'est aussi parce qu'on ne prend pas les joueurs, les dirigeants qu'il faut. Parce que Zubizarreta n'a jamais su vendre et jamais voulu vendre. Et Pablo Longoria, c'était un scout. Donc, après, je me rappelle de la vente de Zambo Anguissa où on était tous restés en train de se dire waouh, quel hold-up, quelle vente extraordinaire. C'est arrivé, c'est un miracle. Ouais, moi, j'ai actualisé F5 pour voir. Il va vraiment partir pour 30 millions, j'ai 29. C'est pas possible. Une corrélation, moi, avec ce que je fais tous les jours, je suis dans l'immobilier et généralement, on dit quand on vend, c'est là où on sait si on a bien acheté. Et en fait, la base est là, de toute façon. Donc, clairement, on est d'accord. Parce que des transferts comme ceux que tu nommais tout à l'heure, Payet, Strootman, etc., finalement, le rendement, on le critique aussi, eu égard à l'investissement qui a été fait sur eux. Si on les avait rachetés 5, 7, 8 millions, il n'y aurait pas de sujet. Il n'y aurait pas de sujet, exactement.
Donc, c'est un peu le souci, et c'est là où on se dit qu'effectivement, la politique sportive, bon, il y a une part de chance aussi, hein, il faut pas négliger ça, parce que, comme tu le disais, les idées à la base ne sont pas mauvaises. Enfin, oui, c'est on ça est d'accord. qui est pas forcément simple non plus à gérer, c'est que bon, l'idée de refaire revenir Strootman, enfin de faire venir Strootman, de faire revenir Payet, c'était enfin, Cuisin, c'est vrai, il était prometteur, Cuisin. Quand j'ai vu Strootman arriver, moi je me suis dit, enfin, je revenais pas de voir Strootman arriver à l'Olympique de Marseille, donc et je devais pas être le seul. On est d'accord. De Champions League, donc voilà. Mais donc je pense que ce qu'on a dit, excuse-moi, depuis un bon moment. Il y a quelque chose qui est très important à l'Olympique de Marseille, c'est aussi d'étudier les profils. Parce que je pense que les joueurs qui ne réussissent pas sont ceux aussi qui n'ont pas le profil de l'Olympique de Marseille dans son intégralité, de l'entourage. Il y a vraiment des choses à... Enfin, voilà, on a André-Pierre Ginac, par exemple, et je prends souvent aussi son exemple parce que c'est quelqu'un qui a réussi à l'Olympique mais qui a pas été bon la première année. Donc, ouais, même 2 ans, ouais. Voilà, j'ai toujours du mal à être très sévère avec les joueurs qui viennent d'arriver parce qu'on a des exemples, dont lui, qui est un joueur excellent, qui est quelqu'un en plus qui porte le blason de l'OM encore à l'heure actuelle alors qu'il joue au Mexique et qu'on aime tous. Donc voilà, je pense qu'il y a une étude vraiment très intéressante à faire sur les profils. Et on voit souvent de très bons jeunes qui sont proposés par Kevin Kribich, à mon avis, tu connais très bien, justement, sur le Phocéen. Et il serait intéressant aussi de savoir s'ils ont le profil pour pouvoir jouer un rôle important au sein du club, parce que les qualités, beaucoup de joueurs les ont. Et finalement, tu t'aperçois que c'est ce qui ne va pas, c'est ce qu'il y a à côté du joueur, justement. Et ce qui est certainement la part la plus importante, parce que des joueurs moyens avec les capacités de réussir intellectuellement, enfin, j'entends, on en a eu, et c'est des joueurs dont on se rappelle et qu'on aime encore plus que des joueurs qui avaient des qualités bien plus importantes et qui n'ont pas réussi à faire la moitié de ce qui a été fait. Tout à fait. Et quand en plus on pense que ce qui était prévu avec ce Payet et Strootman, c'était justement de recruter des joueurs cadres qui aujourd'hui font défaut dans cette équipe. C'est-à-dire que ce qui fait le plus défaut dans cette équipe, ce sont les cadres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau. Un Strootman, ça devrait être aujourd'hui ton capitaine, ton aboyeur, ton entraîneur de terrain, ton relais. Pardon ? Exactement. Surtout qu'il n'y a plus Luis Gustavo. Exactement. Et en fait, c'est ces cadres-là qui sont en défaillance. À part Mandanda, mais Mandanda n'a jamais été un meneur d'hommes. Donc lui, il ne fait pas défaut, mais ce n'est pas lui qui t'emmène une équipe. Et c'est pas... Il te manque ces cadres-là pour encadrer les jeunes. Les jeunes, ce n'est pas bête, mais il faut à côté des mecs qui soient irréprochables et surtout très bons sur le terrain. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à trouver dans ce projet-là. Alors, on va passer à la dernière partie. Ben, du coup, on a peut-être une grosse partie sur la première partie. Mais bon, à l'avenir de l'OM, du coup, maintenant, comment on peut le voir? Je ne parle pas juste de la deuxième partie de saison sportive. Je parle au niveau financier, au niveau pérennité. Tu l'as énoncé, tout ce que tu as dit tout à l'heure avec le Covid, Media Pro, etc. Plus, du coup, ben, tous les déficits qu'il y a eu ces dernières années. Donc, du coup, on voit ben, que au mercato d'été, ben, en fait, on a dépensé zéro, hein, puisqu'on a dépensé 8 millions. Il y en a repris 8 millions. Enfin, a priori, les comptes sont comme ça. 8 millions pour Sarr, 8 millions pour Enrique. Donc, voilà. Sur le mercato d'hiver, ben, on a entendu, et a priori, on le croit, qu'on ne va pas dépenser... un copec, et sur le mercato d'été, ça risque d'être compliqué aussi, si surtout il y a des joueurs qui partent libres, comme Amavi et Thauvin. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de la suite? Pas grand-chose, si. Ce qu'on peut espérer, ça passe par 2 choses. C'est des grosses ventes, donc ça peut arriver, parce que oui, on peut réussir à vendre Sanson en Première Ligue, oui, on peut réussir à vendre Camara, oui, on peut réussir à vendre Douillet et Tchaletatsar. Là, je parle, on va dire, des 3 principales valeurs marchandes de ton effectif, parce que les autres arrivent en fin de contrat ou ont signé des contrats à durée indéterminée. Mais donc ça, c'est la première chose. Ça te permettra simplement d'éponger le gouffre financier dans lequel nous sommes, mais pas seulement nous, c'est tous les clubs de Ligue 1 qui sont dans cette situation. Donc aujourd'hui, l'espoir qu'on peut avoir, c'est évidemment, ça passe par le sportif, parce qu'il nous faut cette Champions League. Aussi catastrophique qu'on puisse être pendant cette compétition, il nous la faut, parce que ça génère des rentrées d'argent, parce que l'année prochaine, il y aura peut-être aussi un retour, et on l'espère tous, de supporters dans les stades, que ça peut tout changer. Il faut aussi noter que cette saison est particulièrement douloureuse pour l'Olympique de Marseille, parce que quand on sait la force que représente
à domicile notamment, et même à l'extérieur, la force des supporters derrière, peut-être que certaines situations seraient différentes, mais ça, on ne le saura jamais, mais en tous les cas, c'est quand même un point en moins pour l'équipe sur le terrain. Donc, l'avenir, le club est à vendre. Voilà. Mais comme tu le sais, le club est à vendre, mais comme il le sera toujours. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'être à vendre, le problème, c'est est-ce qu'il y a des acheteurs potentiels. Voilà. Et je pense que si tu es dans l'immobilier, tu le sais mieux que moi, c'est que tu as beau vouloir vendre ton appartement, être vendeur de ton appartement, si tu n'as aucune visite et que personne n'est intéressé, c'est mort. Enfin, je veux dire, tu ne vendras jamais ton club ou ton appartement ou ta bagnole. Donc, la corrélation avec l'immobilier, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Néanmoins, il y a toujours une relation. C'est quand tu veux vendre quelque chose, si jamais tu ne le vends pas, c'est toujours une histoire de prix. Parce que tu peux faire. Donc, de prix ou de contexte. Imaginons que tu as une super baraque avec un aéroport au-dessus de la tête. Si d'un coup, les acheteurs se disent « j'ai pas envie d'avoir d'avion au-dessus de ma tête parce que c'est pas ce que je cherche », la baraque, elle peut être magnifique et au bon prix. J'achèterai pas, tu vois, parce qu'il y a un aéroport, et c'est un peu ça l'analogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs, dans cette période-là actuelle, il ne faut pas espérer qu'un acheteur investisse des millions d'euros parce que le contexte ne s'y prête pas. Et Macomte ne vendra pas, ne bradera pas l'Olympique de Marseille dans cette période-là. Donc, il ne faut pas rêver. Par contre, l'avenir, c'est quelques ventes sympathiques, une fin de Covid le plus rapide possible, mais ça, c'est dans tous les secteurs d'activité, un retour des supporters dans les stades, une gestion de la catastrophe que représente Mediapro, une catastrophe dont la responsabilité est uniquement portée par la Ligue professionnelle de football, parce qu'ils ont cru qu'ils touchaient un jackpot extraordinaire et en fait, ils ne se sont pas simplement assurés de toutes les garanties bancaires. De toutes les choses dont il faut s'assurer dans ce genre de circonstances. Donc aujourd'hui, on essuie cette catastrophe. Canal+ va essayer de rattraper. On va essayer de 190 millions, j'ai vu, qu'ils proposaient. Voilà, donc c'est déjà pas mal vu le contexte, mais évidemment que ça va porter un gros coup au potentiel d'investissement des clubs français qui parlent aujourd'hui et qui négocient avec l'UNFP de baisser les salaires des joueurs. Ça passe par là aussi, mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir de moins en moins d'échanges avec les autres pays européens en termes de transfert. Le Brexit va compliquer les choses également. Tout va être très compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que ça passe aussi par la formation, mais le club olympique de Marseille l'a bien compris, en espérant que nous ayons quelques bonnes surprises, parce que ça fait maintenant 4 ans que le projet est en place. Donc on devrait voir, parce que c'est ce qu'on avait calculé à l'époque, on s'était dit qu'il faut 5 ans à peu près pour avoir les résultats d'une formation efficace. Ouais. Et d'une détection. Donc, on peut avoir quelques bonnes surprises de ce côté-là. Mais voilà, c'est qu'il va falloir faire les bons choix sur les joueurs que nous allons aller chercher. Pape Gueye en est un. C'est un très bon choix pour moi. Qui est capable d'éponger, de dissimuler une vente, par exemple, de Camara pour récupérer les quelques millions d'euros qui te permettront de racheter peut-être un ou deux autres Pape Gueye. Et c'est comme ça. C'est ce à quoi il faut s'attendre dans la gestion de l'Olympique de Marseille de demain. Ouais, je suis d'accord, Stéphane, mais justement, moi, je voulais pas en parler, mais forcément, là, tu me tends la perche de l'IAG, si tu veux. C'est que, vous l'avez suffisamment évoqué sur l'antenne du Fosséen, où effectivement, c'était compliqué, effectivement, l'IAG, parce que le clan l'IAG, déçu par le passé, par le centre de formation, était un peu réticent, et du coup, ils augmentaient le prix, et puis il avait aussi des offres, mais donc en fait l'OM était ne voulait pas enlever ses principes de pas passer un cap trop important au niveau des salaires, mais malgré tout ça, pour je sais pas, peut-être 50 000 euros ou 100 000 euros, bon évidemment c'est pas notre mais je veux dire par rapport à l'effort qui aurait pu être fait à ce moment-là et qui n'a pas été fait. Et du coup, on voit les conséquences parce qu'il y part et que finalement, on n'a aucun… C'était quand même la pépite du centre de formation avec Camara, quoi. Et que du coup, on n'a plus personne qui sort et qu'on n'a plus d'argent. On s'est dit, on attend les pépites qui sortent, mais on les voit souvent, les talks qu'on peut voir, nous, avec Romain. A priori, ce n'est pas les nouveaux joueurs du centre de formation qui vont être de ce niveau-là, quoi. C'est sûr. Après, le problème, c'est que ça aussi, c'est peut-être
comment dirais-je, une peau de banane dans la stratégie du club. C'est-à-dire que quand on construit le projet Next Generation, notamment, quand on met toutes les choses en place au niveau du secteur de la formation, avec l'arrivée très pertinente de Nasser Larguet, par exemple, c'est une des très, très bonnes décisions de Jacques-Henri Hérault. Il faut aussi lui remettre les choses qui fonctionnent bien. Et donc, c'est super de faire ça. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on tape dans la main et qu'on donne de l'argent aux clubs de la région qu'ils vont pouvoir eux-mêmes convaincre l'ensemble des petits joueurs qui font partie de cet effectif d'aller à l'Olympique de Marseille. On ne peut pas contraindre un jeune de signer à l'Olympique de Marseille si un autre club lui fait de meilleures propositions, sous prétexte qu'on a un accord aussi amical, aussi normal et aussi naturel qu'il soit avec un autre club de la région. Tout ça pour en revenir, enfin, je parle de ça parce que c'est aussi des choses qui ont été mal évaluées lorsqu'on a mis le projet en place, mais on se serait peut-être planté nous-mêmes sur ce fantasme-là. C'est que l'IAG, quand on lui propose de renouveler, l'IAG se sent pousser des ailes, et parce qu'il a certaines propositions, et il réclame ce qu'on n'est pas prêt à lui donner. À l'époque des négociations, le club dit on n'ira pas au-delà d'une certaine marge, d'un certain salaire, d'une certaine prime, parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quel joueur derrière qu'on voudra garder, qui aura une jurisprudence. L'IAG a demandé ça, je veux la même chose. Ça se comprend, c'est dommage. Ouais, mais ça se comprend si tu veux, mais après, si tu veux, quand tu prends un Nagatomo, alors je vais être méchant, voilà, parce que moi, c'est pas ça se comprend, ça se discute. Tu prends un Nagatomo et que, juste pour le nombre de followers et qui coûte un bras beaucoup plus que l'IAG, il y a un problème, quoi. Enfin, c'est pas cohérent, quoi. C'est pas cohérent. Enfin, c'est pas cohérent. C'est cohérent en première intention. C'est-à-dire, c'est cohérent de ne pas vouloir surpayer un joueur qui sort de ton centre de formation. Ça, c'est cohérent. Ce qui est pas cohérent, c'est tout ce qui s'ensuit derrière. C'est-à-dire, tu l'as pas fait signer, mais à côté de ça, tu n'arrives pas à avoir un deuxième arrière-gauche dans ton effectif et tu joues qu'avec un seul joueur de ce côté-là. Il te manque un avant-centre depuis 5 ans, peut-être même plus. Tu t'es planté sur Mitroglou, tu t'es planté plein de fois. Donc oui, tout paraît d'un coup totalement incohérent. Maintenant, moi, j'ai souvenir aussi, il ne faut pas perdre la mémoire, parce que le projet Lopez, on en faisait presque une éloge, et en se disant, putain, Lopez, si on l'avait eu, franchement, la manière dont ça se passe, on serait bien, etc. Quand la crise était la plus importante au cœur même du projet actuel, aujourd'hui, on voit où ça mène. C'est-à-dire que Lopez... Est-ce que ce n'était pas plus Campos, en fait, qui faisait rêver, si tu veux, vu comme... Oui, je pense aussi. Je pense aussi, mais les conditions de travail de Campos à l'Olympique de Marseille, la manière dont il travaille avec le LOSC, si on avait importé ça à l'Olympique de Marseille, je vous assure qu'on en aurait eu des débats pendant des jours et des jours. Parce que ce n'est pas du tout le directeur sportif salarié qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'est pas corporate. Non, il n'est ni corporate, et très intéressé sur les prix des transferts. Et c'est pour ça, c'est très, très compliqué. Quand le club ne reçoit que 50% du prix d'un transfert sur un joueur, je pense qu'on l'aurait mal vécu aussi. Donc, oui, voilà. Donc, tout est discutable. J'ai écouté ce que tu disais avec attention, et encore une fois, je te rejoins. Donc, j'étais souvent d'accord avec Yann Amin, mais je suis souvent d'accord aussi avec Stéphane Braguet. Donc, ça, c'est pour faire ton éloge personnel. Mais quand on parle de tout à l'heure de Nagatomo, justement, c'est pour faire référence au petit Nils Nkunku, juste également. Donc, en fait, comme tu le dis depuis tout à l'heure, les idées sont souvent bonnes. On ne peut pas reprocher, effectivement, de ne pas vouloir surpayer un jeune du centre de formation, etc. Mais en fait, on n'est pas dans l'anticipation, puisque c'est l'après qui fait qu'on discute ce qui s'est mal passé avant. Et on le voit, donc là, c'est l'exemple en question, ça va être Rokia ou Nagatomo. On n'a pas voulu faire signer le petit Nils Nkunku pour ça. Il y a eu l'effet l'IAG aussi, et on peut trouver discutable de pas avoir de renfort, de remplaçant à Tovin à proprement dit, alors qu'on l'aurait avec un jeune du club. Est-ce que finalement, dans cette balance, dans cet amalgame à faire, justement, on ne devrait pas se dire « effectivement, on va peut-être le payer un peu plus, effectivement, ce n'était pas notre idée principale, mais on va anticiper ce qui aurait pu mal se passer si jamais on laissait partir le joueur », ce qui finalement s'est fait, et finalement, après coup, on s'est toujours aperçu que les idées de départ étaient bonnes, mais que l'anticipation n'était pas cohérente. C'est ça aussi qui m'interpelle. Et excuse-moi. Tu as tout à fait raison.
Merci. Et pour revenir sur le justement l'avenir de l'Olympique de Marseille, puisque moi j'avais je pensais dire OM Champions Project avenir ou avenir en deux mots, justement, parce que c'est une question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Je pense que si on a un avenir avec Franck McCourt, puisque si le club n'est pas vendu, comme tout semble ne pas aller justement dans cette cohérence-là, l'idée, c'est justement de revenir sur les principes qu'ils avaient à la base et qu'ils n'ont pas tenus. Parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, depuis l'émission qu'on fait ensemble, Stéphane, c'est de dire que les idées de base étaient très cohérentes et étaient les bonnes. Et finalement, c'est après, sur des décisions, sur des changements d'optique, sur des visions différentes, que ça n'a pas été. Donc, si on veut avoir un avenir, il faut repartir avec les bases de ce projet, justement, Je voulais compléter ta question. Sur le reste, sur les investissements, sur des cadres, les jeunes recrues, et finalement, ne pas se perdre et s'entêter sur des principes. Je pense au petit Nils Nkunku, parce que moi, j'aime beaucoup son agent, justement, aussi, qu'on voit souvent sur le Phocéen aussi, Yvan Lemay. Je trouve que, bah, évidemment, il connaît parfaitement son métier et c'est un peu ce qu'on avait fait avec Pape Diouf à l'époque, s'entourer avec des gens qui connaissent le football. Et je pense qu'il faut repartir de là avec la cohérence du début de projet en s'entourant avec des gens. Donc, je parle de lui parce que, mais je ne dis pas lui, c'est pour le citer simplement, mais avec des gens qui ont des connaissances de ballon et justement qui connaissent l'environnement des transferts et l'environnement marseillais. Voilà l'avenir comme ça, moi, l'OM. On est assez d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours a posteriori qu'on peut juger d'une action. Et c'est facile pour nous, observateurs, la critique est aisée. Mais je continuerai à critiquer de toute façon, a posteriori comme a priori. C'est-à-dire qu'en début de saison, quand je dis on ne s'est pas renforcé, l'équipe va droit dans le mur, je suis le premier surpris et super content que ça se passe bien. C'est-à-dire que quand on fait 6 victoires d'affilée ou 7 victoires d'affilée, je me dis, mais qu'est-ce que je suis content de m'être planté? Mais vraiment, hein, sincèrement, le plus profondément possible. Mais je me dis, après, ben, malheureusement, j'ai peur d'avoir fait le bon constat a priori et on va tout droit dans le mur. Et tout ça pour dire que pour Nkunku, pour Iliadji, pour Roca, c'est encore une autre histoire parce qu'il a Ah, il n'a pas de niveau fait. apparemment. Ben, ouais, et puis il a fait une petite boulette en début de saison qui lui coûte cher aujourd'hui. Mais en tout état de cause, c'est des choix qui ont été faits. Des choix qui sont douloureux parce que, à la fois pour les joueurs et pour les observateurs, les supporters, mais aussi les dirigeants parce qu'ils en payent les conséquences de ces choix-là, eux principalement. Aujourd'hui, il va falloir effectivement revenir à des fondamentaux et c'est ce que j'espère qui est entamé avec Villas-Boas parce que je suis de ceux qui pensent quand même que on ne peut pas avoir meilleur entraîneur vu la qualité de l'effectif et la qualité de nos finances aujourd'hui qu'un Villas-Boas. Ou qu'un Rudy Garcia. Je voulais te poser cette question-là. C'est parce que bon, moi, je suis assez partagé sur André Villas-Boas, pas sur la qualité du technicien et meneur d'hommes, c'est pas ça. Mais c'est pour essayer de retenir les erreurs du passé, même je remonte à jusqu'à Diouf, hein, avec Guéretz et avec l'épisode de Rudy Garcia, la prolongation. Du coup, est-ce que enfin, moi, c'est mon avis. Moi, je suis assez partagé. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre? C'est toujours risqué, effectivement, d'attendre fin mai, certes, d'attendre fin mai de voir, ben, déjà où c'est qu'on en sera au niveau D'ici là, oui. sportif d'ici là, bien sûr, et ensuite de se projeter, de se dire est-ce qu'il faut continuer avec ce type de technicien qui a de bonnes compétences de meneur d'homme. Bon, je ne vais pas tous les faire, je suis assez dithyrambique, mais en même temps, le jeu proposé, Non, il y a des choses à dire. c'est pas du Bielsa ou même malheureusement le nouvel entraîneur du PSG qui, je pense, est un bon adepte du beau jeu. Donc, tu vois, comment se positionner dès maintenant? C'est compliqué, non? Comment se positionner dès maintenant, c'est très compliqué. Maintenant, la seule chose, le seul signal auquel moi je me raccrocherais, c'est de me dire que si Villas-Boas, le connaissant, s'inscrit sur la durée, c'est qu'il aura quand même certaines garanties que le club se portera bien à l'avenir et qu'il aura les moyens de travailler. Moi, Donc, j'y crois pas, justement. ben justement, moi aussi je suis perplexe. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'un Villas-Boas ne s'engagera pas pour s'engager. Dans un projet qu'il sentira lui-même péricliter ou se casser la gueule pour être vulgaire. Je pense que si lui s'engage de nouveau, c'est que je ne pense pas qu'il tienne à ce poste comme quelque chose de vital, comme d'autres entraîneurs par le passé pouvaient s'y accrocher comme de la glu parce qu'ils ne pouvaient pas espérer mieux. Mais en tous les cas, lui, ce n'est pas vital pour lui de rester à l'Olympique de Marseille.
Je pense que s'il s'inscrit sur la saison prochaine, ce qui sera compliqué, et oui, le club doit un peu, attendre un peu, quitte à le perdre. Oui, je suis d'accord avec toi, le club doit attendre un peu, doit entamer les négociations telles qu'elles sont entamées aujourd'hui, parce que ça aussi, gouverner, c'est prévoir. Et quand on dit gouverner, c'est prévoir, pour reprocher à Hérault qu'il ne prévoit pas assez, bah là, pour le coup, c'est normal d'entamer les négociations avec Villas-Boas dès maintenant. Maintenant, il faut attendre un peu, parce que oui, où en sera-t-on à la fin de la saison à l'OM? Ben, ça dépendra du mercato de janvier et ça dépendra de la capacité de Villas-Boas à remobiliser ses hommes pour la rentrée là. Parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi, Alain? Ah, pardon, tu voulais intervenir, Romain? Oui, moi j'ai une question qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que Villas-Boas, justement, eu égard au retrait de Jacques-Henri Hérault, justement, que tu évoquais tout à l'heure, a vraiment un rôle de manager général à l'anglaise. C'est-à-dire que c'est lui qui est sur le devant de la scène, c'est lui qui protège le club, l'institution qui protège les joueurs, alors évidemment avec une idée directrice. Est-ce qu'il ferait un bon président, Villas-Boas, à ton avis? Je pense qu'il ferait un très très bon président. Après, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même ces dernières semaines chez lui, c'est ce changement de comportement, ce changement de cette nouvelle facette qu'on a découverte de Villas-Boas. Il représentait pour moi une certaine grande sérénité dans les bons mauvais moments. Et j'ai trouvé que depuis la campagne européenne, il était rentré dans une nervosité un peu surprenante, exacerbée. Ça a été le cas avec les problèmes qu'il a eu avec la presse. On en a eu, nous, au Phocéen, avec lui, sur des papiers qui ne lui plaisaient pas, ou en conférence de presse, il a pointé du doigt nos journalistes, et il a tout à fait le droit de le faire. Hein. Je veux dire, mais je trouve qu'il y attache beaucoup trop d'importance, et ça me surprend. Comme il l'a fait avec la dernière fois avec le journaliste de la Provence, c'est que ce sont des choses à la limite que tu vas gérer dans l'arrière-cour de la conférence de presse en disant au journaliste, franchement, ce que tu as écrit, ça ne m'a pas plu du tout. Mais cette nervosité-là, elle était assez nouvelle chez lui. Et quelque part, ça m'a un peu surpris parce que je voyais Villas-Boas comme quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui maîtrisait sa communication. Et cette période-là, j'allais dire, me rend un petit peu perplexe sur sa capacité à gérer les périodes de crise de manière sereine. Voilà, c'est tout. C'est pas à mettre à son crédit, effectivement, le comportement qu'il a eu Parce dont tu que, parlais à voilà, juste c'est. titre. Mais je me demande, je pense aussi qu'il a peut-être besoin d'être encadré, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, puisqu'il est un peu livré à lui-même. Et bon, je sais pas si j'ai pas su interpréter correctement ses excuses face à la presse en conférence de presse, parce que je le voyais lire vraiment son j'avais du mal à me dire s'il pensait vraiment ce qu'il disait lorsqu'il présentait ses Non, excuses, et j'avais l'impression que non en plus. Et pas ça, une pour seule le coup, ça seconde. m'a vraiment dérangé, parce que habituellement Villas-Boas, quand il fait des erreurs, il les reconnaît, et celle-ci, c'est certainement sa plus grosse erreur. J'entends dans toutes les décisions ou les propos qu'il a pu tenir, et il n'a pas su l'assumer. Donc, je Moi, pense qu'il aurait besoin d'être un peu encadré. je vais citer Romain Ehring, hein, qu'on salue, les deux Romains du Phocéen, que moi j'adore d'ailleurs. Romain Ehring, j'adore son humour, je le dis comme ça. J'ai déjà dit Allez, sur des excellent, questions, Romain. mais du coup, je vais me perdre. Je voulais dire sur un bébé, oui, voilà, qui dit qu'en fait, il l'a déjà fait par le passé. André Villas-Boas, quand il était à Porto, quand il était à Chelsea, un peu ce côté condescendant, un petit peu, parce que c'est la vraie nature qui vient en temps de crise, justement, quand tout va bien, c'est facile. Mais... Donc moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça, quoi. Effectivement, que ce comportement-là peut être un peu naturel quelque part. Disons que c'est pour ça que, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il fera un bon président? Peut-être, mais autant j'en étais convaincu il y a quelques semaines, autant aujourd'hui, quand il est dans le dur, je trouve qu'il a des réactions qui ne sont pas adaptées. Pour revenir à cette petite histoire rapidement, je trouve que tout était nul, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas un jugement de dire qui a tort, qui a raison. Je pense que le papier était nul. La réaction de Villas-Boas était nulle, les excuses de Villas-Boas étaient nulles. En fait, c'était une période complètement nulle et lunaire, et ça s'est terminé de manière, le soufflet est retombé, tant mieux, parce que ça ne valait pas le coup d'être mis en avant. Mais voilà, c'était vraiment nul, tout était nul là-dedans. Il y avait le précédent Média Pro, je ne sais pas si tu avais vu l'interview d'après-match après Strasbourg. Et moi, je m'étais dit, mais il a complètement craqué, quoi. C'est ça, c'est cette période d'instabilité, on va dire, de manque de sérénité qui m'interroge un petit peu sur ses capacités à devenir président de l'Olympique de Marseille. Stéphane, Ou parce de que Porto. oui, Porto, effectivement. Bon, moi, j'avais fait une corrélation avec l'Olympique de Marseille parce qu'on le voit beaucoup sur le devant de la scène, mais on sait très bien que son idée, c'est d'être président de Porto. J'avais quelques questions pour toi, justement, et c'est intéressant qu'on puisse
Ah, pas du temps, alors tu n'as pas le, t'as pas le couvre-feu derrière. Je vais prendre un peu plus de temps. Je D'accord. Moi, je suis chez moi, il n'y a pas de souci. Mais... Justement, tu le disais tout à l'heure, tu as été directeur de la stratégie digitale de la Provence, c'est bien ça? Mmh. Oui, tout à fait. Tu vois, moi, on est tous, à mon avis, unanimes pour dire, par contre, que tout ce qui est digital, depuis l'arrivée de Jacques Henri Hérault, il faut quand même reconnaître les choses qui ont été bien faites. Moi, je vois quand même une évolution qui est presque inimaginable parce que ça n'a aucun rapport. C'est vrai qu'on essaie d'être sur le club d'aujourd'hui, voire sur le club de demain. Alors, qu'est-ce que tu trouves qui a changé principalement par rapport justement à la présidence précédente, justement, surtout l'univers du digital et du numérique? Bah, c'est une révolution industrielle qui était nécessaire, indispensable à notre époque pour l'Olympique de Marseille, mais comme elle a eu lieu au Paris Saint-Germain, comme elle a eu lieu dans tous les grands clubs digne de ce nom, même si pour moi Paris Saint-Germain n'est pas un grand club mais une grande équipe, mais en tous les cas c'est une révolution industrielle nécessaire, indispensable. Encore une fois, la décision qu'a prise Jacques Henri Hérault et son board, on va dire, de d'établir cette révolution et de la mener à bien, c'est une excellente idée, c'était même nécessaire, indispensable, c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, de le dire, de le verbaliser tel qu'il a pu le faire dernièrement et de la manière dont il a pu le faire dernièrement, il n'y a pas besoin de s'en justifier de ces choses-là. Il suffit d'agir. Tout le monde a remarqué cette évolution sur le numérique auprès de l'Olympique de Marseille. Tout le monde apprécie cette évolution parce que les choses qui se font sont extrêmement qualitatives et extrêmement modernes, parce que pour revenir dans sa rhétorique, aujourd'hui, on a une communication qui est en accord avec la période qu'on vit. Ce n'était pas le cas avec OMTV, mais ça, c'est une évidence. Mais de toute façon, c'était une ère qui était amenée à évoluer. L'Olympique de Marseille est passé sur Twitch très rapidement, donc était même précurseur sur ce move. Donc, ce n'est pas moi qui vais leur reprocher ce move-là, parce que c'est un excellent move et c'est le move qu'il fallait faire pour un club de football. Mais comme bon nombre d'entreprises dans d'autres secteurs d'activité vont le faire dans les mois qui viennent, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, toutes les décisions qui ont été prises en termes de révolution industrielle au sein de l'Olympique de Marseille étaient bonnes. Maintenant, pourquoi tu justifies ce que tu fais de cette manière-là en dénigrant le travail qui était fait avant? Ça n'a aucun sens ni aucun intérêt. Avant était nécessaire à cette époque-là aussi. Enfin, je veux dire, OMTV, on a tous été admiratifs devant ce qui se faisait sur OMTV. Et évidemment, on aurait Exactement. Pu avoir une transition plus souple dans ses propos. Le seul truc, c'est qu'elle aurait peut-être dû être faite au préalable. C'est pour ça qu'il s'est permis d'en parler, en se disant que oui, cette révolution-là aurait dû avoir lieu peut-être 1-2 ans avant leur arrivée. Donc, pour lui, cette évolution était nécessaire, indispensable. Mais la manière de le dire, c'est encore une fois, c'est épidermique. C'est-à-dire que je pense à mes confrères, et je les connais tous, qui travaillaient de belle manière à OMTV, parce que le boulot qui était fait sur cette chaîne était de grande qualité. Maintenant, est-ce que le média correspondait à l'époque? Je ne pense pas non plus. Mais par contre, le boulot qui était fait dans les équipes d'OMTV était de qualité à l'époque. Sauf que ça ne correspondait plus à ce que le Ah, ça a bugué là. Ouais. On l'a perdu, on a une censure là. nous a... Petite coupure. Ça y est, on t'a récupéré. On a une censure, désolé, c'est YouTube. Pas de souci. Juste pour prolonger ce que tu dis, est-ce que, bon, ben, c'est pas que le média, c'est une façon plus générale, moi je parle au niveau des droits télé, est-ce que, à l'image de, je crois que c'est au Portugal qu'ils font ça, que les clubs directement négocient les droits télé, parce que bon, forcément, l'OM aurait quand même pourrait obtenir beaucoup plus d'argent avec la notoriété qu'elle a, quoi. Donc, est-ce que ça ne serait pas ça C'est évident. C'est évident. C'est l'avenir. Le problème, c'est qu'on a des institutions en France, notamment, qui vont ralentir le processus le plus longtemps possible. Et en plus, si on prend le côté social et le côté, on va dire, humain de la chose, ils ont raison. Parce que demain, l'argent généré par les droits télé, aujourd'hui, il est reversé à certains clubs amateurs, à des clubs de deuxième division, donc qui permettent de travailler sur la formation dont on parle, justement, sur la découverte à des éducateurs de faire leur boulot, etc. Demain, évidemment que les clubs vont récupérer leurs droits individuels. Quand je dis demain, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est l'avenir. Évidemment que demain, il y aura une chaîne de télévision qui ne diffusera que les matchs de l'Olympique de Marseille ou que les matchs du Paris Saint-Germain, et où on pourra s'abonner pour suivre
le club qu'on a envie de suivre. C'est déjà le cas, je crois, aux États-Unis avec le basket, où tu peux prendre un abonnement où tu peux voir tous les matchs, mais tu peux prendre aussi un abonnement où tu ne peux voir que ton équipe. Ça existe déjà là-bas. Ça, c'est pour la, on va dire, l'évolution prochaine. Mais à terme, évidemment, que les clubs vont vouloir récupérer les droits télévisuels. Et c'est déjà le cas avec ce qu'on imagine d'une ligue européenne dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une ligue de grands clubs européens où, évidemment, ils ont envie de récupérer notamment toutes les recettes, dont les droits télé, pour eux et uniquement pour eux. Et on peut le comprendre aussi. Mais ça enlève cet aspect, on va dire, social, de redistribution. Moi, je suis pareil. De manière générale, dans la société, je suis plus dans cette question-là. Mais en football, on ne peut pas nous le raconter. Il y a vraiment y a plusieurs différents. On est d'accord. Même une Ligue 1 à 18 clubs, comme ça a été le cas il y a quelques années, ça serait logique. Oui, mais tout à fait, il y a des décisions qui doivent être prises comme ça, mais c'est toujours pareil, c'est un peu comme à l'OM où on a laissé OMTV peut-être vivre trop longtemps avant d'établir cette révolution industrielle ou cette révolution digitale. Ben, un peu de la même façon, en France, on retardera au maximum ces prises de décision et c'est douloureuse parce que c'est forcément douloureux pour des petits clubs, pour cette redistribution, on va dire, sociale du gâteau, mais on arrivera forcément à des situations où le club, l'image du club, enfin le club vendra son image et récupérera tous les bénéfices de cette image-là. C'est une certitude. Justement, moi je pense qu'on pourrait coupler les deux parce que de toute façon, beaucoup de personnes cessent de critiquer le niveau du championnat. Mais si on a envie que le championnat évolue, il faut que les locomotives justement puissent évoluer. Donc évidemment, pour moi, la locomotive par excellence est l'Olympique de Marseille dans son intégralité. Mais effectivement, tout le côté social avec les clubs amateurs, le reversement aux divers clubs de division inférieure doit être préservé aussi. Sébastien, si tu me le permets, je vais poser une dernière question à Stéphane. Après, il faudra malheureusement qu'on vous quitte. C'est une question un peu générale. Toute petite après, mais très très courte. Il va reprendre un peu l'objet des discussions qu'on a depuis tout à l'heure. On voit certaines, par exemple en Espagne, les presses locales, entre guillemets, sont très importantes. Évidemment, il y a la presse pour Barcelone, il y a la presse pour Madrid. On voit les prises de position qui sont assez intéressantes et on s'aperçoit même que finalement, ce sont les presses, justement, par exemple, catalanes, qui prédominent sur la presse nationale quand il s'agit de traiter du sujet de Barcelone. Moi, par exemple, quand j'ai vu le rachat de Frank McCourt, alors évidemment, je n'ai rien contre le journal et encore moins contre la personne qui était avec lui dans la voiture, mais je n'ai pas trouvé normal que, par exemple, ça ne soit pas un journaliste marseillais qui soit le premier, justement, à pouvoir faire état de ce qui était en train de se passer et de vérifier l'actualité du club auprès des supporters. Là, c'était Mathieu Grégoire, pour le citer, qui fait un travail. Oui, il est correspondant permanent à Marseille. Et permanent à Marseille, et je ne remets pas ça du tout en considération. Mais ma réflexion était surtout de se dire, est-ce que finalement, la presse locale, entre guillemets, ne devrait pas avoir une part plus importante autour de l'Olympique de Marseille qu'elle ne l'a actuellement. Et je pense que tu as tu es la bonne personne pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, oui, enfin, je peux y répondre très, très, très facilement. C'est que pour avoir vécu ces périodes-là, la période, on va dire, pré-McCourt, on va dire post-McCourt, je crois que Jacques-Henri Hérault a été le premier président avec Pape Diouf, mais un degré moins, parce que Pape Diouf est venu notamment au Phocéen à l'époque où le Phocéen n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Il était venu à la rencontre de ce média-là qui était naissant à l'époque, qui avait déjà une belle audience, mais il était venu, il avait compris qu'il y avait un dialogue à instaurer avec la communauté des supporters qui lisent le Phocéen et le club. Mais ce qui est une certitude, c'est que Jacques-Henri Hérault a compris, lui, et c'est ce qu'il avait entamé dès les premiers temps de sa présidence, c'est que les influenceurs au sens large du terme, qui gravitent autour du club, était forcément à prendre en considération. C'est ce qu'il a fait dès le début. Malheureusement, ça s'est perdu par la suite. Ça ne s'est pas perdu pour le Phocéen parce qu'on a aujourd'hui une relation avec le club qui n'est pas ni économique, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains débats périphériques où on pense que le Phocéen est maqué à l'Olympique de Marseille. Or, ce ne sera jamais le cas, mais c'est pas une relation économique, c'est une relation de bonne intelligence. C'est-à-dire que nous, on est là, en tant que médias, pour relater l'ensemble de l'actualité de l'Olympique de Marseille, mais surtout,
de mettre en avant la belle image du club et de taper quand il faut sur ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la complaisance ou quoi que ce soit. Jacques-Henri Hérault l'a parfaitement compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'est adressé aux Phocéens, comme il s'adresse à d'autres médias comme La Provence, etc., ou d'autres encore à Marseille, et qui leur donne une chance d'avoir accès. On a reçu des joueurs, ce qui n'était pas du tout le cas avec Vincent Labrune sur le plateau, qui sont venus. On a reçu Langoria, on a reçu Rudy Garcia. Zubizarreta. Franchement, on a eu accès à des acteurs du club, chose qui n'avait jamais eu lieu avant cette présidence-là. Donc, ils l'ont compris. Maintenant, par rapport à l'Espagne, puisque tu parlais de cet exemple-là, il faut aussi relativiser, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question d'audience. Quand on s'adresse à l'équipe ou à RMC Sport, quand on veut délivrer de l'information au plus grand nombre, eh bien, aujourd'hui, on va évidemment s'adresser en France à des médias qui ont une audience peut-être moins ciblée et moins qualifiée que celle du Phocéen, mais qui est forcément beaucoup plus large et beaucoup plus nationale et internationale. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas voir ça, et d'ailleurs on ne voit pas ça comme une vexation particulière qu'on ne soit pas les premiers à relayer tel ou tel transfert, même si on aimerait bien évidemment d'avoir certains scoops de temps en temps, on est bien d'accord. Mais on arrive à comprendre aussi que par rapport à des médias, par rapport à des philosophies de médias que tu citais, c'est en Espagne notamment, ce n'est pas du tout la même chose en France, et il faut le prendre en considération aussi. C'est vrai que quand on a une grosse information, et tous les présidents l'ont fait, quand il y a quelque chose à véhiculer au plus grand nombre, on s'adresse aux médias nationaux. Malheureusement, c'est l'équipe, malheureusement, c'est RMC Sport, et ce n'est pas forcément le Phocéen, mais les relations en tous les cas, et la compréhension que la presse locale était très importante pour véhiculer certaines valeurs, continuer à véhiculer les valeurs du projet. La considération est présente auprès de cette nouvelle direction, enfin de cette nouvelle qui maintenant est là depuis pas mal de temps, chose qui n'était pas le cas par le passé, c'est une certitude. C'est une très bonne chose. Merci pour. Je termine. Je voulais juste qu'il me donne ces trois plus grands joueurs de tous les temps de l'OM, pour lui, ou les trois joueurs préférés, disons, les trois joueurs préférés de tous les temps. Mais alors, mes joueurs préférés, ça a été Chris Waddle, parce qu'il m'a fait rêver de tout temps. Je mettrai sur le podium alors Enzo Francescoli, parce que c'était juste un joueur extraordinaire et surréaliste. Et le troisième, je dirais Didier Drogba. D'accord. Ouais. Alors, on en a deux en commun. Voilà, c'est Didier Drogba qui a été pour moi peut-être le joueur le plus fort qu'on ait eu à l'Olympique de Marseille sur le peu de temps qu'il est resté. Malheureusement, on aurait aimé le garder beaucoup plus longtemps, mais je me souviens des exploits de Didier Drogba comme quelque chose de surréaliste au Stade Vélodrome. C'est clair. Eh bien, écoute, on te remercie vraiment, c'était très merci intéressant. Merci à vous de l'accueil. C'était très agréable. Je pense qu'on aurait pu continuer à discuter avec vous encore un bon quelques moment. Heures. Et, merci en plus d'avoir bien voulu traiter de l'ensemble des sujets qu'on t'a proposés, puisqu'il n'y a pas eu de tabou et tu as bien. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci, une bonne soirée, une bonne fin d'année à tout le monde et à vous et à l'année prochaine pour les matchs de l'OM. Ok, merci à toi. À très bientôt. Ciao, au revoir. Ciao. Merci aux téléspectateurs.